Je suis vraiment ravie d'être parmi vous pour parler d'un sujet important. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas en de c'est bon. Heureusement, ce n'est pas un problème fréquent, mais quand le problème se pose, c'est vraiment un grand problème de prise en charge pour les élèves, mais aussi pour les anesthésistes essentiellement. La période péri-opératoire, comme vous savez, c'est une période qui est très complexe parce qu'on va en même temps injecter un grand nombre de substances. On va les injecter en intraveineux, direct ou en perfusion, et ça va être plusieurs médicaments à la fois. Les réactions des personnes sensibilisées, c'est vrai qu'elles sont rares, mais leur morbidité, voire leur mortalité, peut être importante. Et le problème, c'est que parfois, c'est difficile de distinguer une réaction d'hypersensibilité à une autre réaction liée à une autre exposition. La démarche, qui reste non standardisée, elle doit être rigoureuse pour aboutir à un diagnostic positif, dans le but essentiellement de prévenir le risque anesthésique ultérieur. Voilà. Un petit mot sur les types d'anesthésie. En gros, nous avons deux types d'anesthésie. Il y a les anesthésies locales ou loco-régionales, où c'est deux petites interventions qui peuvent se faire au cabinet, essentiellement en stomatologie, en dermatologie. Les produits principalement utilisés sont essentiellement la xylocaïne, donc les anesthésies locaux. Par contre, lorsque l'intervention est plus lourde et qu'on a besoin d'une anesthésie générale, là, ça se fait au bloc opératoire. Il y a beaucoup de substances qui sont utilisées en même temps que des procédures chirurgicales qui peuvent avoir des soucis. Alors, donc pourquoi on va faire une anesthésie? Parce qu'il y a des impératifs lors de l'intervention chirurgicale. Ces impératifs sont essentiellement l'amnésie de l'acte pour le patient, l'anesthésie de la zone opérée, l'immobilité du patient pour le confort du chirurgien et d'autres critères accessoires. Et pour cela, pour chaque objectif, nous sommes dans l'obligation d'injecter un médicament ou plusieurs, essentiellement de la famille des hypnotiques, des analgésiques, des myorelaxants, donc les curares, mais aussi, ça dépend des interventions, nous sommes parfois obligés d'injecter des antibiotiques, des solutions de remplissage, des antiseptiques, et nous utilisons souvent des matériels contenant du latex. Alors, pour répondre à la question, quel est le bilan, il va falloir répondre à deux petites questions. Essentiellement, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une réaction allergique ou une réaction d'hypersensibilité immédiate ou pas? C'est faire le diagnostic positif de l'hypersensibilité. Pourquoi nous allons faire le bilan? Et si c'est allergique, comment nous allons confirmer et comment nous allons faire l'imputabilité du médicament responsable pour pouvoir donner une alternative aux patients et surtout aux médecins anesthésistes. Alors, en fait, ce qui survient, les incidents qui peuvent survenir au cours d'une anesthésie, et particulièrement d'une anesthésie générale, peuvent être de différents ordres. Ça peut être des réactions d'hypersensibilité, que cette hypersensibilité donc, soit non allergique, donc c'est une activation non spécifique des basophiles avec libération, une histaminolibération non spécifique, ou bien une hypersensibilité allergique, et c'est proprement le sujet ici, parce que c'est ça ici le risque de récidive lors d'une nouvelle exposition. Mais quand c'est pas ça, ça peut être autre chose, ça peut être un diagnostic différentiel, essentiellement soit lié à l'effet pharmacologique de certains médicaments, comme les curares qui peuvent induire lors de l'induction un bronchospasme, faisant suspecter à tort une réaction d'hypersensibilité, alors que c'est un effet pharmacologique des curares. Mais tout ce qui, aussi, lié, ça peut être lié à la chirurgie. Les pneumopérichoines qui sont parfois faits lors de la chirurgie abdominale peuvent aussi causer, par exemple, une hypotension qui peut créer une condition avec une hypotension hypersensibilité immédiate. Donc, il va falloir vérifier si vraiment c'est une manifestation d'hypersensibilité ou bien si c'est un diagnostic différentiel. Voilà.
Donc, s'il s'agit d'une réaction d'hypersensibilité, alors l'hypersensibilité non allergique, c'est une libération d'histamine non spécifique. Ça peut se voir dès le premier contact avec l'antigène. Et le problème, c'est que l'expression clinique est indiscernable de celle de l'expression clinique de l'hypersensibilité allergique, laquelle qui nécessite une sensibilisation antérieure, c'est-à-dire un contact antérieur avec l'antigène. Elle est souvent de type IgE dépendant ou bien IgG dépendant, donc une sensibilisation préalable. Et l'anaphylaxie, c'est la manifestation la plus grave. Le risque, c'est la récidive lors de nouvelle administration. Lorsqu'il s'agit d'une hypersensibilité de type retardé, le plus souvent les manifestations sont tardives et se manifestent surtout par des manifestations cutanées loin de l'intervention. Les allergènes sont aussi multiples, les antibiotiques, les produits de contraste, les allergènes de contact, et l'exploration, bien sûr, sera basée sur les patch tests. Alors, pourquoi le bilan? Le bilan est important parce que dans sa vie, on peut être, et souvent on est opéré ou anesthésié plus qu'une fois. C'est entre 2 et 3 fois qu'un sujet est amené à subir une anesthésie. Parce que c'est vrai que la fréquence des réactions n'est pas très importante, mais elle est en extrême, donc augmentation selon les études, mais la gravité, elle est potentielle. Ainsi, donc l'incidence des réactions peranesthésiques a été évaluée à 1 sur 10 000 anesthésies en Australie, 1 sur 20 000 en France. C'est des chiffres que maintenant il y a une étude espagnole qui parle sur 1 sur 4 000 anesthésies. Donc nous voyons que l'incidence de ces réactions est en croissance. Bien sûr, avec le nombre croissant de chirurgies, l'épidémie de césariennes, la chirurgie esthétique, donc ces réactions ont tendance à augmenter. La mortalité, elle varie de 0 jusqu'à 1,4% en Australie et jusqu'à presque 5% au Japon. Il y a une nette prédominance féminine de ces réactions. Dans cette étude française qui s'était étalée sur 8 ans, l'incidence était évaluée à 100 sur 1 million d'anesthésies et les auteurs ont colligé près de 2 500 patients avec une prédominance féminine et le type d'hypersensibilité est allergique dans les 3 quarts des cas. Alors, entre réactions d'hypersensibilité de type allergique et réactions d'hypersensibilité non spécifiques, c'est un problème pour les manifestations. Comme vous voyez ici, il n'y a pas de différence dans les symptômes cutanés ni les antécédents d'atopie. Ce qui fait la différence, et d'ailleurs c'est ce qui explique la gravité des réactions IgE, c'est que le bronchospasme et les symptômes cardiovasculaires sont plus fréquents dans l'hypersensibilité IgE médiée que dans l'hypersensibilité non IgE. Alors, quels sont les principaux médicaments qui sont responsables de ces réactions d'hypersensibilité allergique? Dans la même étude, chez l'adulte, c'est surtout les curares qui sont responsables de plus de la moitié des réactions, suivies du latex et des antibiotiques. Chez les enfants, c'est plutôt le latex, particulièrement les enfants multi-opérés, puis les curares et les antibiotiques en dernier lieu. En Tunisie, alors, on n'a pas vraiment d'études concernant l'incidence et la fréquence des réactions per-anesthésie. Ce que nous avons, c'est des études qui sont faites, que ce soit au centre de pharmacovigilance ou au centre d'allergologie qui est en pratique. Et donc, c'est des études rétrospectives sur un certain nombre de patients, comme celle-ci faite au centre de pharmacovigilance de Tunis, qui a inclus 22 patients suspects d'avoir présenté une réaction d'hypersensibilité en per-anesthésie. Les médicaments qui sont les plus concernés, c'était les plus rares, suivis d'un seul patient à une séquence de troisième génération.
À Sfax, une autre étude a été réalisée par le collège Labarlo, et donc c'est toujours les curas en première place comme responsables de réaction d'hypersensibilité suivie des hypnotiques. Au pavillon C, aussi une étude qui a colligé quand même 40 patients, et les résultats montrent que c'est toujours les curares qui sont en première place comme pourvoyeurs de réactions en péranesthésie, suivi des hypnotiques, des bêta-lactamines et le latex en dernier lieu. En fait, c'est la même épidémiologie que dans la bibliographie. Quels sont les facteurs de risque pour développer une réaction d'hypersensibilité en péranesthésie? Alors, l'atopie, ça a été évoqué comme facteur de risque, surtout pour le latex, mais pour l'allergie au curare, le fait d'être atopique, ça n'a pas été démontré comme facteur de risque de réaction. Le sexe féminin, malheureusement. L'exposition à un curare, ça n'a pas été prouvé, et la majorité des réactions au curare sont survenues chez des patients qui n'ont jamais eu de curarisation. Donc, c'est lors du premier contact qu'ils ont développé la réaction. Par contre, le fait d'avoir des antécédents à choc anaphylactique survenu lors d'une anesthésie et qui n'a pas été exploré, ça augmente le risque de 4,7%. La nature de la molécule. Il y a des molécules, particulièrement certaines molécules de curare, qui sont plus pourvoyeuses de donner des réactions d'hypersensibilité que d'autres. Alors, particulièrement pour les curares, et le problème ou bien l'épitope responsable de l'allergie aux curares, c'est l'ion ammonium quaternaire. Donc, cet épitope, il est partagé par tous les curares, ce qui explique les réactions croisées. C'est pour cela, lorsqu'on fait le bilan allergologique, on doit rechercher cette allergie croisée et on doit pouvoir proposer une alternative. Alors, le mode de sensibilisation, ça a été longtemps débattu. Il y a les facteurs environnementaux, il y a l'utilisation particulièrement de produits contenant de l'ammonium, tels que les détergents, les produits cosmétiques, et il y a certains sirops antitussifs qui contiennent de la folcodine, et ça a été un problème en Europe, puisque ces sirops ont aussi été en vente libre à la pharmacie. Et on a vu qu'il y a une explosion, une incidence très importante de réactions péranesthésiques au curare. Et en voyant, parce que ces sirops donc, partagent le même épitope que les curares, et de ce fait, il y a une législation en Europe qui interdit la vente libre de ce type d'antibiotiques, qui n'est plus presque donc vendu que sur ordonnance médicale. Alors, donc, quel est le bilan? Deux cas de figure. Soit qu'on est en préopératoire et qu'on assiste à la réaction, ou bien, et le plus souvent, c'est un bilan qui va se faire à distance de la réaction. Alors, si on est au moment de la réaction, il va falloir reconnaître la réaction d'hypersensibilité qui va se manifester. Elle peut se manifester uniquement par des atteintes cutanées, donc de l'urticaire, de l'érythème généralisée, mais qui peut aller vers l'anaphylaxie grave, voire l'arrêt cardio-respiratoire. Le problème, c'est que parfois, ces manifestations cutanées peuvent ne pas être visibles. Le malade est recouvert de champs stériles, et donc il n'y a que le lit opératoire qui est visible. Par contre, il y a des signes orientation qui doivent alerter l'anesthésiste particulièrement, telles que l'hypotension sans tachycardie ou bien une hypotension qui est réfractaire au vasopresseur. Bien sûr, la gravité de la réaction doit être quantifiée selon la classification de Ring et Nissner. Alors, bien sûr, si on assiste et si on fait le diagnostic d'une réaction d'hypersensibilité, il va falloir prendre le traitement de malade, en charge le malade. Donc, immédiatement, il faut arrêter les injections en cours, il faut changer les tubulures, il faut alerter le chirurgien,
s'il peut stopper ou alléger l'acte opératoire. Il va falloir contrôler donc les voies aériennes, laisser le malade en décubitus dorsal, vérifier les voies d'abord, échanger les tubules. Bien sûr, il va falloir traiter selon la sévérité jusqu'à, si nécessaire, injection d'adrénaline. Là, c'est un modèle de fiche qui va être appliqué ou bien mis sur les tableaux dans les blocs opératoires. Alors, le bilan biologique, donc si on assiste à la réaction, il va falloir faire un bilan et essentiellement, c'est le dosage de le prélèvement pour faire le dosage de l'histamine et de la fructase qui va être fait à 1 heure et à 24 heures. Donc, et ici, c'est idéalement dans tous les blocs opératoires, nous avons la fiche de renseignement, les tubes nécessaires pour faire le prélèvement et le congeler et pour l'adresser. Alors, donc, ce qui est en faveur de l'origine allergique, c'est l'augmentation de la tryptase et de l'histamine à 2 heures et puis le pic. Et à 24 heures, la tryptase va revenir de base, en fait, aux concentrations de base. Et comment dire si la tryptase est élevée ou pas? En fait, on s'est mis d'accord pour le faire multiplier le taux de base par 1,2 et d'ajouter 2 pour retenir une augmentation significative de la tryptase. Ceci permettra d'établir l'existence d'une réaction allergique. Alors, si on n'assiste pas à la réaction et si on ne fait pas le bilan nécessaire au moment de la réaction, le malade doit être adressé à une consultation d'allergologie pour faire le bilan. Alors, ce bilan, il a l'intérêt de faire l'imputabilité de la réaction, chose qui est importante sur le plan microbiologique, de préciser le mécanisme s'il s'agit d'une hypersensibilité IgE médiée, donc éviter le produit ultérieurement, ou bien un autre mécanisme, et bien sûr la prévention secondaire si c'est allergique. On va rechercher une allergie croisée pour éviter et pour proposer une alternative. Bien sûr, la déclaration est obligatoire. La stratégie diagnostique, ça va être une synthèse entre une analyse clinique, l'analyse des différents échantillons biologiques et le bilan allergologique en lui-même. L'analyse clinique, donc ça est un peu difficile a posteriori chez un malade qui n'a pas assisté. Donc, chez un malade chez qui il était anesthésié, c'est bien de vérifier la chronologie des réactions par rapport à l'injection des médicaments et c'est très important de discuter avec le médecin anesthésiste. Ça serait idéal d'avoir la fiche d'anesthésie où il y a le temps avec l'injection des différents produits et où on mentionne les différents incidents, la surveillance de la tension artérielle, l'apparition de lésions cutanées et les gestes faits. Alors, il y a des examens in vitro, donc les IgE spécifiques. Les IgE spécifiques, ils sont d'un accord, mais malheureusement, ce n'est pas disponible pour tous les médicaments. Les IgE spécifiques sont disponibles pour les curares, les bêta-lactamines, le latex. Le test d'activation des basophiles, c'est un test qui va reproduire donc, la réaction, mais qui doit être fait dans des laboratoires expérimentés. Le bilan allergologique, maintenant, on va faire des pré-tests et des intradermaux réactions si on est devant une réaction d'hypersensibilité immédiate. Les pré-tests, c'est comme pour les pneumo-allergènes. On va utiliser un témoin positif et un témoin négatif. On va bien sûr éviter que le malade ait une contre-indication au pré-test. La lecture se fait 15 à 20 minutes et le test est dit positif s'il y a une augmentation ou s'il y a une papule qui apparaît supérieure à 3 mm du témoin négatif et plus de 50% du témoin positif. Quant au dermo-IDR, on va injecter 0,02 ml pour avoir une papule d'injection entre 3 et 5 mm et on va attendre 20 à 30 minutes pour la lecture.
Le test est dit positif s'il y a une augmentation de plus de 3 mm de la papule obtenue par rapport à la papule d'injection. Si on est devant une réaction de type retardé, les patch tests seront faits. Alors, de façon systématique, nous allons tester tous les médicaments du protocole anesthésique. Bien sûr, le latex et les autres médicaments administrés en période péri-anesthésique. Les tests se font à distance, au-delà de 6 semaines. Bien sûr, tous les médicaments qui ont été administrés, sauf ceux qui ont déjà été repris, par exemple un antibiotique qui a déjà repris par le malade, ce n'est pas la peine de le tester. On va tester tous les plus rares disponibles sur le marché pour rechercher une allergie croisée et le problème réside dans le choix de la concentration. En fait, nous allons tester avec les concentrations qui ne doivent pas être irritantes et source de faux positifs. Donc, généralement, c'est des intradermo-réactions qui se font en 2 à 3 dilutions. Il faut toujours commencer par la dilution la moins concentrée et ne jamais atteindre, bien sûr, la concentration irritante. Et ce tableau, c'est toujours, donc, c'est selon les recommandations européennes, la dose dite irritante à ne pas dépasser pour chaque médicament. Le test de provocation pour les anesthésiques, alors pour les antibiotiques, les anti-inflammatoires et le latex, c'est standardisé, on peut le faire. Quant aux anesthésiques, il y a des essais, mais le problème, c'est un problème plutôt éthique, c'est qu'on va faire un test de provocation, c'est comme si on achetait une anesthésie générale. Alors, donc, c'est une stratégie diagnostique, où aucun test n'a complètement fiable et il faut les analyser de façon concomitante. Un mot sur les anesthésiques locaux. Alors, les anesthésiques locaux, on a deux familles, la famille des amides et la famille des esters. La famille des amides, c'est essentiellement la lidocaïne et les esters, c'est la procaïne. Alors, l'allergie aux anesthésiques locaux n'est pas très fréquente et même les études, c'est vraiment des cas cliniques rapportés de façon sporadique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'allergie aux anesthésiques locales, il n'y a pas de réactivité croisée entre la famille ester et la famille amide, qu'elle est fréquente, l'allergie croisée entre les esters, mais elle est possible entre les amides. Le bilan allergologique se base aussi sur le bilan allergique, donc sur les tests cutanés, les tests et les intradermo-réactions. Il faut faire attention parce que les produits qui sont sur le marché contiennent de l'adrénaline. Il ne faut jamais faire de tests cutanés avec des produits contenant de l'adrénaline, sinon on aura des tests faussement négatifs. Les prix se font avec le produit pur et les IDR se font à une dilution 1 sur 100 puis 1 sur 10. Le test de provocation, là, il a toute sa place. Si les prix de test et les IDR sont négatifs, on fera un test d'introduction ou de provocation, injection de 0,1, 1 ml ou 2 ml. Si ça se passe bien, le malade peut reprendre l'anesthésique en question. Voilà, donc la prévention des réactions vers anesthésique passe par une consultation pré-anesthésique justement pour déceler les patients qui sont à risque. Alors, nous n'allons pas faire du bilan pré-anesthésique allergologique à toute la population générale de façon systématique et on va essayer de voir si on est devant un patient sans risque, c'est-à-dire la population générale, les atopiques, un malade qui est allergique à un médicament qui ne va pas être utilisé lors de l'anesthésie. Par contre, si on est devant un risque d'hypersensibilité, que ce soit parce qu'il est allergique à un produit anesthésique ou parce qu'il a une réaction non explorée, dans ce cas, on va adresser le malade à une consultation. Un mot sur l'anesthésie de l'asthmatique. Alors, l'asthmatique, le fait d'avoir un asthme ne constitue pas un facteur de risque de réaction hypersensibilité, mais il peut être à l'origine d'incidents, particulièrement le bronchospasme. Pour cela, une optimisation du traitement de l'asthme et une consultation très proche de l'acte chirurgical sont recommandées.
Alors, donc, l'hypersensibilité aux anesthésies constitue vraiment un challenge. Il nécessite une collaboration étroite entre l'anesthésiste, l'allergologue et le pharmacologue, et où l'étude de la chronologie des événements est très importante. Le fait d'avoir la fiche d'anesthésie aussi. L'exploration allergologique constitue une synthèse clinique, mais chose très importante, cette exploration doit se faire par des centres spécialisés où il y a des médecins experts dans le domaine, et bien sûr en suivant les recommandations.